dure depuis la nuit des temps. Allez, tout autre chose à présent. Nous allons au Festival de Chambord avec ce soir le comédien Didier Sandre à l'affiche dans un concert lecture d'Igor Stravinsky. Et il est aux côtés de Bérénice Dufailly que l'on retrouve en direct de ce festival. Bonsoir Bérénice. Bonsoir Christophe. Alors effectivement, je suis dans un lieu superbe, sous la pluie, elle vient d'arriver, mais le lieu n'en reste pas moins superbe. Et j'ai à mes côtés effectivement Didier Sandre. Alors Didier Sandre, on le connaît, acteur de théâtre, acteur de cinéma, une carrière impressionnante. Ce soir, il est sur scène avec les musiciens de l'Orchestre de Paris, il joue un soldat. La musique est signée Igor Stravinsky. Petit extrait et on se retrouve juste après. Entre danger de Neuzy. Un soldat qui rentre chez lui. Quinze jours de congé qu'il a, marche depuis longtemps déjà. Bonsoir Didier Sandre. Bonsoir. Alors, je vous ai vu tout à l'heure au filage, vous interprétez oui. Trois personnages, le lecteur, le soldat et le diable. C'est beaucoup, non? Oui, c'est beaucoup, mais la forme narrative, c'est un conte, en fait. C'est un conte comme nos grands-mères ou nos papas, nos mamans nous racontaient une histoire et faisaient à la fois tous les personnages. Donc, c'est une lecture, disons, qui est animée par l'incarnation des différents personnages. Il y a le diable, il y a une vieille femme, il y a quelques personnes que rencontrent, il y a une fiancée, etc., que rencontre le soldat. Et justement, qu'est-ce qui vous plaît dans cette œuvre? Parce que c'est un concert lecture, on vous sait passionné par la musique, vous avez joué longtemps du piano et de l'orgue. Qu'est-ce qui vous plaît justement? Mais ce qui me plaît, c'est l'agrégation justement à des musiciens. J'aime beaucoup les musiciens, j'aime leur discipline que je ne rencontre pas toujours dans le théâtre où il y a plus d'empirisme, des empirismes de l'ego, oserais-je dire. Les musiciens sont assujettis à une technique, à un travail d'exercice et d'entraînement régulier. Et j'adore cette discipline. Et c'est vrai que c'est un concert d'une richesse musicale impressionnante parce qu'on oui. va entendre du classique, mais pas seulement. Du jazz, du tango, du ragtime. Oui, Stravinsky, qui est un auteur du XXe siècle, du début du XXe siècle, qui est mort dans les années 40, je crois, a beaucoup renouvelé la musique dite classique en y incorporant justement des thèmes populaires, les influences du jazz, la chanson, la danse, des formes que... parce qu'il voulait rendre cette musique, la musique dite classique, accessible et joyeuse. Alors, c'est la première fois que vous participez au Festival de Chambord, mais oui. mon petit doigt m'a dit qu'il y a bien longtemps, on va dire quand, vous avez joué ici un certain Richelieu. Oui, j'ai tourné Richelieu dans la grande salle au pied des escaliers. Il y a quelques années, je jouais Richelieu, jeune, pendant la journée des dupes. Et j'ai retrouvé aujourd'hui, avec un émerveillement incroyable, cette folie qu'est le château de Chambord. Ça ne se refuse pas. Non, non, non. Non, ça ne se refuse pas. Et puis je pense que toutes ces occasions d'été où le public rencontre d'une façon exceptionnelle les musiciens, les artistes, tout ça, c'est vraiment très gai, c'est vraiment formidable de se rencontrer pendant une période de vacances où les gens se détendent, etc., de partager des moments de plaisir en musique et en littérature, en poésie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Didier Sandre, et on vous retrouve donc ce soir à 20h. Merci beaucoup Bérénice, et ce festival de Chambord dure jusqu'à samedi, c'est la troisième édition cette année. Suite de notre enquête sur les pas de Marcel.